Je vais vous montrer comment vous pouvez écrire au-dessus d'une ligne sur Word, le logiciel de traitement de texte de Microsoft. Pour ça, rendez-vous sur le logiciel et on va commencer par insérer une ligne. Donc deux solutions, soit vous pressez trois fois la touche tirée du bas de votre clavier puis vous faites Entrée, ce qui insère une ligne, ou alors dans les onglets d'options, vous cliquez sur l'onglet Insertion, puis Forme, et enfin dans Trait, vous sélectionnez la ligne. Ensuite, avec la souris, vous cliquez pour commencer la ligne, puis vous maintenez le clic et vous choisissez où vous souhaitez terminer la ligne. Si vous souhaitez forcer l'horizontalité de la ligne, vous maintenez la touche Shift de votre clavier. Voilà, maintenant on a deux lignes sur notre document, et pour pouvoir écrire au-dessus de ces lignes-là, soit vous cliquez juste au-dessus de la ligne pour pouvoir entrer du texte, soit la deuxième option consiste à aller donc dans l'onglet Insertion, puis dans le panel Texte, vous avez Zone de texte. Vous cliquez dessus, vous choisissez la zone de texte simple par exemple, et vous venez la positionner au-dessus de votre ligne. Vous n'avez plus qu'à mettre en forme la zone de texte. On va par exemple supprimer le remplissage, supprimer le contour, puis maintenant on va écrire notre phrase, on la met en forme en allant dans l'onglet Accueil. On peut agrandir la police par exemple, et on pourra ensuite correctement positionner notre texte juste au-dessus de la ligne. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.